Salut à tous et à toutes, c'est Zeta135, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très très bien, et aujourd'hui on est sur Besiege, yeah. Donc voilà, je me suis acheté Besiege, hein, Besiege, voilà, on le dit comme ça. Et donc grâce au don de certains abonnés, hein, merci à eux, franchement je leur fais un gros bisou. Et donc voilà, bah, je vais vous faire des vidéos sur ce jeu. Alors moi je ne sais vraiment pas comment il marche, j'ai fait 2-3 petits trucs coup-ci coup-ça, hein. C'était de la merde. Je préfère pas qu'on en parle. Et donc voilà, allez. Hop, on part tout de suite sur cette vue. Oh putain. Alors Besiege, qui est quand même un jeu hein, de création de... Comment ça s'appelle? D'engin de siège, hein, sur... Enfin, d'engin de siège, voilà. Et donc on va commencer par zéro. Vous voyez, j'ai fait que ça comme niveau, d'accord hein. J'étais en galère déjà. Il y a tout cela là. Certains que je n'ai pas compris. Celui-là, j'avais pas compris, voilà. Donc, je vous faire une petite présentation dans ce gameplay. Enfin, non, c'est même pas un gameplay. Moi, je sais pas. C'est une présentation, on va dire. Hein. Donc voilà, alors. Vous voyez qu'il y a le guide hein, pour nous expliquer. Le jeu est en anglais, malheureusement. Je suis un peu dégoûté de ça. Et donc, il nous dit comment bien commencer notre nos fabrications. Donc, on va faire un petit truc simple. On doit écrire... détruire ça là-bas. Hein, donc voilà. Alors, on va fabriquer comme ils le disent. Hein, voilà. Hop. Ensuite. Voilà, mais après, malheureusement, je vais séparer cette idée parce que c'est pas vraiment bon comme idée. Attendez, voilà, hop. Donc là, on a mis des roues. Hein. Ça, c'est le cube de départ. Je suis désolé, en même temps, j'ai mal à la gorge. Donc ça, c'est le cube de départ. Hein, donc c'est celui qui fait votre vie. Hein. Et hop, désolé si vous avez entendu le petit bruit. Et donc là, on va voir tout de suite comment ça marche. Hein. Hop. Donc là, normalement, si je laisse comme ça, d'accord, vous voyez, je vais juste, en appuyant sur les flèches, avancer, reculer. Je ne peux pas tourner à droite, à gauche, d'accord. Donc ce n'est pas suffisant. Et donc, on va rajouter un système, hein, d'accord, qu'un ami m'a appris, hein, merci à lui d'ailleurs. On fait ceci, ça, 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 et ça, voilà. Donc vous voyez, alors j'appuie sur F pour retourner les roues, hein, d'accord. Je vise la roue, j'appuie sur F, voilà, ça marche. Et donc voilà, alors normalement ça devrait marcher comme ça. Alors c'est la roue. Là on appuie sur ça, ce qui permettra de modifier mes touches hein. Donc F, non c'est pas ça. Putain je suis trop con moi. Voilà ça Oh on peut accélérer la vitesse. Ça c'est bien ça. Alors attendez, on va sélectionner les touches. Donc là normalement ça c'est ce qui me permettra. Up, down, c'est celle-là vont me permettre d'avancer. Et donc ce jeu est vraiment un jeu très très bien fait au niveau de la physique, comme vous allez pouvoir le voir. Hop. On va changer de la touche, on va mettre ça. Donc là on peut faire copier info, d'accord, copier ça, on fait ça, on fait coller, voilà. Donc vous voyez, à chaque fois ça va marcher. Pardon, excusez-moi, je reçois des messages, c'est horrible. Hop, ouais, on s'en fout. Voilà. Je suis désolé, hein. C'est que je reçois assez couramment des messages, donc je vais poser dans un endroit mou pour pas qu'il fasse trop de bruit. Hein. Donc là, vous voyez, normalement, hop, ça me permet de faire un véhicule qui avance, d'accord, vous voyez. Donc les premières roues entraînent les deuxièmes. C'est la technique, quoi. Voilà, hein. Et normalement, ah voilà, j'ai fait une erreur. Non, là, quand j'appuie sur aller vers la droite, le machin va vers la gauche. Donc, c'est assez gênant. On va modifier ça tout de suite. Donc là, pour modifier, hein, rien de plus simple que de faire ça. Voilà, il n'y a pas besoin de modifier les touches. C'est vraiment très très simple. Donc là, vous voyez, maintenant, j'ai une machine qui tourne sur elle-même, qui avance en tournant. C'est le système un petit peu des chenilles, de, comme dans les chars de War Thunder, hein, voilà, donc, enfin non. On fait glisser les roues comme ça pour faire tourner. Allez, hop. Donc vous voyez quand même le jeu au niveau physique qui est quand même relativement bien fait, qui est pas moche, hein, franchement, je trouve ça super beau, moi. Et donc notre but est de détruire ça. Oh, allez, on détruit tout. Voilà, on tue le petit... Comment s'appelle ça? Le petit berger, hein. On va tuer son mouton, voilà. Lui là-bas. Ah, oh, j'ai du sang sur une roue. Alors oui, à savoir que c'est du bois, donc faut dire que ça se casse quand même assez vite.
Donc j'ai un petit peu regardé des let's play, des choses comme ça avant, hein, donc pas grand chose. C'est surtout un ami qui m'a gentiment tout appris. Donc voilà quoi, je l'en remercie. Et donc vous voyez, ah pardon, excusez-moi, j'ai cliqué sur un endroit qu'il fallait pas. Et hop, normalement vous avez vu mon fond d'écran, mais ça je le modifierai. Donc voilà. Next zone. Alors là il faut détruire cet objet là qui est là. Alors là j'ai appris à faire, enfin on va essayer de fabriquer une machine avec des canons, hein. Donc ça va pas être difficile je pense, j'espère pas du moins. En fait si, ça va être super dur. Alors on va fabriquer déjà de quoi faire un support, hein, parce qu'il paraît que ça peut être utile. Voilà. Voilà. Je sais même pas pourquoi je fais ça, d'accord, hein, bon, je m'en voudrais pas. Et donc voilà. On va foutre des canons, hein, donc voilà. Il y a différents types de canons, les amis, hein, à savoir quand même. Oh merde, je pensais pas que ça se mettait comme ça. Bon bah voilà, hop. Et là on fait... Ah non, pas sérieux, je peux pas... Voilà. Oh, pff, bon, ok, d'accord, ok. Voilà, ça au moins c'est dit. Ça a le mérite d'être clair. Et donc voilà, alors... Je vais trouver un moyen, donc faut qu'on solidifie tout ça, donc on reprend des blocs. Merde. Donc on appuie sur X pour effacer, hein. Bien sûr, X, voilà, je vous l'ai pas dit ça, mais X pour effacer. Hop, on va faire ça comme ça. Et on va faire ça. Voilà, ça tiendra toujours mieux que ce que j'ai fait. J'essaie de faire des trucs un peu plus solides. Voilà. Et là, normalement, je sais même pas quelle touche c'est. Ça doit être Y. Non, c'est quoi la touche? Pour savoir vos touches, hein, voilà, vous faites ça. C'est C, d'accord. C pour canon. Ok. Donc on va calibrer l'engin dans la bonne direction. Donc vous voyez. Allez. Oh, j'ai perdu un de mes canons en route. Ah non. Allez, on tue les poupoules. Voilà. Donc aujourd'hui, excusez-moi, je vais quand même faire un niveau de plus que d'habitude, hein, voilà, parce que je suis... Normalement, ce sera deux niveaux, mais vous allez voir que là, au fur et à mesure, ça va vachement se compliquer. Donc Boss Age, hein, voilà, qui est un sublime jeu, moi je trouve, hein. J'adore ce jeu. Ah putain, ce niveau-là, il est génial. On va peut-être... Hop, ellipse. Re les amis, désolé, j'ai eu un petit problème, hein, donc voilà. Alors, je suis présent, hein, donc... Alors, dans cette partie-là, hein, donc voilà. Alors là, je vais vous expliquer. Il faut qu'on détruise... je crois qu'il faut qu'on passe... On aille là-bas, hein, d'accord? Mais on va s'amuser en même temps à tuer les moutons parce que c'est drôle. Il faut que je fasse gaffe à ça, c'est les mines, hein, les bombes. Donc il faut que je fasse super gaffe. Et donc on va retirer tout ce qui n'est pas utile sur ce véhicule. Voilà, je vais retirer tout ce qui n'était pas utile. Et à partir de là, on m'avait dit qu'il faut mieux faire plus de roues, ça peut être utile. Donc on va fabriquer une roue de plus. Tac, tac, voilà. Donc vous voyez, on va faire ça. Ah merde, je suis trop con. Pardon, excusez-moi. Mal poli dans la vie. Non! Ça, déjà on va faire un tri-roue. Hein. Enfin, un 3 essieux, on va dire un 6 roues, hein, une machine à 6 roues. Enfin, sauf qu'il y a celle-là. Hein. Voilà. Et il y aura celle-là par-dessus. Donc, tu vas falloir que je modifie F. Et là, je fais... Hop, ça, voilà. Excusez-moi, j'ai réussi à perdre le fil quand même. Hein. Ça devait être un bug. Ou alors, j'ai fait une connerie entre-temps. Hein, et puis voilà. Alors voilà, normalement ça me fait un tri-roue, donc on va essayer d'abord le... Est-ce que ça marche, hein? Attendez, voilà, on va essayer de faire comme ça. Donc vous voyez, ça marche, c'est super bien fait. Hein. On sent la grosse vitesse, ça... On sent vraiment la grosse vitesse. D'accord, donc c'est bien. Ça va pouvoir être utile, déjà on voit que ça c'est faisable. Et on va fabriquer des lance-flammes sur le devant, on va mettre des lance-flammes. Hein. Voilà.
Oui, parce que oui. J'ai vraiment rien à faire, je pense. Hein, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Water Cannon. Oh, ça peut être cool, ça. Un roquet comme ça, jamais essayé. Hein, je ne sais pas, ça peut faire quoi. D'accord, Y, Y. Donc non, faut qu'on modifie cela. On va mettre I. Copier. Coller. Et coller encore une fois. Donc là, mon véhicule est quand même légèrement imposant. Hein. Donc c'est I pour les lance-flammes. Hein. Oh, le mouton, il s'est vénère, il a... Oh, c'était trop beau. Oh ça! Oh c'est génial, j'adore. Hop, attendez. Tu serais pas sérieux toi? Attendez, on va essayer de l'arroser, ouais. Il faut sauver Winnie! Oh, non, 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 tu arroses, tu arroses. Oh merde! D'accord, ça peut faire un... Oh, je viens de comprendre, ça sert pas à ça, en fait. Enfin, non, si, ça sert à ça, mais... on va pas s'en servir comme ça, nous. Vous allez voir, ça va faire extincteur, en fait. Je vais m'en servir comme extincteur, on va voir est-ce que ça marche. Putain, je suis en train de prier pour que ça marche, les gars. Voilà, on va faire comme ça. On peut pas mettre dans l'autre sens, ça. Je veux glisser sur un long... Non, bon, on doit pas pouvoir alors. Hein. Je sais pas si ça va prendre feu. Ok, d'accord. Ok, ça en fait, ça en fout totalement l'eau. Hein. Je crois que ça sert pas à grand chose l'eau. Wesh. Je veux glisser sur un longboard. Non, non, ça marche pas l'eau, je suis deg. Donc non, ça ne sert physiquement à rien pour nous. Pas encore. On m'a aussi appris à faire un truc, hein, donc... alors, on va faire... Ouais, non, bah, pour l'instant, on n'en aura pas besoin. Hein. On va considérer ça comme ça. Waza! Non, 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 je prends feu, je prends feu, je prends feu. Fuck. On va faire comme ça, hein. Ouais, elle doit tous les écraser. Aïe. Non, je suis mort. Bon, alors, attendez, comment on peut faire? On va retirer les canons, hein. Je pense que ça sert pas à grand chose en vrai. Enfin, si, ça sert à... ça sert, mais pas pour ça, quoi. On va remettre ça, parce que j'ai fait une connerie. Et on va mettre des... Oh, j'ai envie d'essayer ça. Ça l'allège pas. Hein. Il sert pas à grand chose et la machine doit être trop lourde. Hein, a priori. On va voir ce que ça donne. Vous allez voir, je vais faire de la grosse merde et ça va marcher. Non, même pas. Y'a rien pour m'élancer vers le haut. Attendez, parce que... En vrai, je suis... Oh, regardez! Ah, pardon.
Alors attendez, parce que hop, je sais pas comment je vais pouvoir gérer ça en fait. Ça. Je sais pas comment je peux gérer. Comment je peux gérer? Comment je peux gérer? Comment je peux gérer? En fait, je veux faire quelque chose qui puisse voler, hein, les amis. Ça. Alors attendez, parce que je sais pas comment je peux gérer ça. Ouah, j'essaie de fabriquer quelque chose pour que mon engin puisse être assez léger pour voler. Donc oui, vous allez me dire c'est débile, mais bon, les idées débiles, ça me connaît. Je vais tenter un truc encore si je peux pas faire. Ah, je peux plus. Donc j'ai rien dit. En fait, je pourrais pas. Et donc. Comment on pourrait gérer? Armure. Oh, on peut mettre de l'armure. Bien. Mais je m'en fous. Hé. Alors attendez, on va la faire. Merde. On s'en fout du wooden block. Ça, alors. Donc ce qui est bien fait dans ce jeu, c'est quand même l'idée qu'on puisse fabriquer et tout ce qu'on veut, hein, donc voilà. Sans vraiment avoir trop de limitations. Le carré autour, on peut l'enlever, mais moi je vais pas l'enlever pour le moment, hein. Je vais pas fabriquer des machins hors du commun et tout quoi. Pour l'idée badass. Oh oui, j'aime. Oh putain. Oh, le truc trop badass quoi. Tac, où est-ce que c'est pour voler? Putain, je suis trop con moi. Ah voilà. Oui. J'avais oublié ça. Attendez, parce que j'aimerais bien pouvoir me recalibrer sur la caméra, mais. Voilà. Mouahaha, je suis vilain. Tout est le matin et de tout est la dentelle. Oula, oh putain. Putain. Oh. C'est bon, tout est mort. Vous pouvez y aller. Non, bon, en vrai, attendez, pas quoi. On va tout détruire là parce que c'est vraiment dégueu. Voilà. Voilà. Ça. Voilà. On va revenir à ça. Ce sera peut-être le mieux, je pense, hein, parce que bon. Voilà, un engin très très. On sent la qualité directement, hein, bien sûr. Mais je... Ah oui, je voulais en faire enfin, un machin qui va à une vitesse supérieure. Alors, pour cela. Attends. Hop. Ça. Je sais pas comment je peux gérer.
C'est quoi que je voulais mettre? Alors là, mettre des trucs comme ça, vraiment, il faut être sadique, hein. Ah ouais, là, faut vraiment être sadique, hein, pour faire ça. D'accord, ça va, c'est pour ça. Et maintenant, on va faire... c'est ça que je veux, voilà. Je veux améliorer les vitesses. Donc la vitesse, c'est sur celle du dessous. Et donc on va la passer à ça. Et je vais tout mettre en copier-coller. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un système vachement plus simple de faire comme ça. Donc je remercie les dons qui m'ont permis de l'avoir. Hein. Donc merci à vous. Warlock, STI, et qui m'a accompagné dans le live aussi. Donc merci pour ça aussi. Hein. Et j'ai oublié son pseudo. Oh, j'ai honte. Oh non, désolé, je suis vraiment désolé pour toi, mais je sais qui tu es. Du moins, si je revois ton nom, je le saurai, mais là, comme ça, j'ai un doute. Tac. Là, je suis en mode concentré, je suis désolé, hein. Je suis en train de regarder comment je pourrais gérer ça. Oh putain. Eh, venez, je vous tue. Même. Ah, on se croirait presque comment s'appelle ce film. Dans Battleship. Franchement, hein, si je puis dire. Non. Donc là, on va essayer de le faire en tuant tous les moutons, hein, et puis ce sera la dernière partie, je pense. Hein. Eh, venez que je vous tue, bande d'hérétiques. Eh oh, eh, ton bras, petit noir. Tiens, mouton de merde, de tuer. Voilà, donc je suis en train de... C'est vraiment un jeu sadique, hein. Faut vraiment être sadique pour jouer à ce jeu. Je l'avoue. Voilà! J'ai réussi! You should not pass. Donc merci à tous, hein. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook, à vous abonner, hein, si vous êtes nouveau sur la chaîne, et puis merci à tous d'avoir regardé, et puis c'était Zeta135, allez, ciao ciao!